First things first, I'ma say all the words inside my head, I'm fire. Coucou tout le monde, nouvelle vidéo d'un tag que j'ai fait méga plein de fois sur ma chaîne. C'est le tag je jette cette fois-ci mes taillongs. Normalement c'est le tag je jette des pulipes de Love Pulipsé que j'ai adapté dans un premier temps par ma collection à moi que j'avais fait avec une amie Shinobu. Donc là où j'ai changé le titre, je jette nos pulipes ou mes pulipes, alors que normalement c'est je jette des pulipes. Et cette fois-ci pour la deuxième fois je vais faire le même tag mais je jette mes taillongs et pas des taillongs. Parce que la première fois que j'avais fait ce tag avec des taillongs, c'était avec Manon, ma meilleure amie irréelle dans la vraie vie qui n'est pas pulipienne, où on avait fait le tag je jette des taillongs, donc des taillongs stock. Sauf que là ça va être mes propres taillongs. Vous allez voir que cette fois-ci je n'ai pas un bol, j'ai un verre, je n'ai quasiment que très peu de papier, puisqu'évidemment j'ai beaucoup plus de pulipes que de taillongs, et je n'ai pas compté 3 de mes taillongs qui sont dedans. Parce que j'ai 2 kits qui sont juste ici en haut. Il y en a un qui va partir chez Tsubasa, l'autre chez Yenmiendol dans l'avenir, donc je ne peux pas les compter. Et je dois rembourser Xoxodolls d'un talent de Nosferatu, mais comme je ne l'ai pas, je ne l'ai pas mis. Donc ce qui fait que j'ai quasiment très peu de papier. Et donc vous connaissez le principe, je vais choisir au hasard en piochant 3 de mes poupées à chaque fois. Ou il y en a un que je vais dire que je garde, que je vends ou que je jette. Et j'ai compté d'avance, ça va être cette fois-ci un nombre impair. Donc voilà. Alors c'est parti, je mélange. Donc la vidéo sera très courte puisque j'ai quasiment peu de taillons. J'ai pioché Sébastien, j'ai pioché Kyle et j'ai pioché Seiran. Alors sans hésitation, je garde Kyle, je vends Seiran et je jette Sébastien. Je crois que la vidéo va durer 3 minutes. Klaus. Stephen et Alan. Je garde Klaus, je vends Alan et je jette Stephen. C'est bien, j'ai les deux frères dans la même pioche, Alan et Stephen. Et enfin du coup, dernier papier, Brahms. Et donc évidemment comme je n'ai qu'un taillong, je garde Brahms. Il aurait pu être contre n'importe quel autre de mes taillongs. Je pense que dans tous les cas je l'aurais gardé. Parce que Brahms est à mes yeux mon plus beau taillong, suivi de Kyle, ensuite c'est Klaus, ensuite c'est Alan. Ah mais je suis bête, j'ai oublié un de mes taillongs. J'ai oublié Rikuto, mon poison girl. Oh, ah la vache, je l'ai complètement zappé. Bon, on rajoute un papier imaginaire. Je retire tout ce que j'ai dit. Entre Brahms et Rikuto, je garde Rikuto et je vends Brahms. Voilà, mais du coup je récapitule, dans l'ordre de mes préférences, de celui que j'aime le plus à celui que j'aime le moins dans ma collection. En premier c'est Brahms, ensuite c'est Rikuto, ensuite Kyle, après c'est Klaus, ensuite Alan, après ça serait Seiran, en avant-dernier ça serait Stephen et en dernier Sébastien. Voilà, bon bah ce petit tag est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Et bah moi je vous dis à plus dans les prochaines vidéos. Sur ce, bye bye.